Oui, j'ai été contacté par Epic Games parce qu'ils m'ont proposé d'avoir mon propre serveur. Oui, je vais pouvoir faire un 1 contre 1. Alors pourquoi ils m'ont contacté moi alors que je suis pas un gros joueur, j'ai pas une énorme notoriété? Tout simplement parce que c'est faux. Sincèrement, je suis honoré de la présence de Norman pour cette première vidéo. Salut. Yeah! Salut, bonsoir à tous, merci de m'accueillir. Vous connaissez le Norman YouTuber, vous connaissez le Norman stand-upper, vous connaissez le Norman comédien, mais peut-être un petit peu moins le Norman gamer. Car vu son niveau, on s'y intéresse très peu à cet homme. Non, moi ce que je vais vous proposer vraiment, c'est de vous intéresser aux réactions de Norman lorsque soit il tue ou lorsqu'il se fait tuer. Moi, mes préférences, c'est quand il se fait tuer. Vous allez avoir des. Ah merde! Non! Ah, toi, je suis en PLS de ouf! Putain! Ta merde! Ça, c'est absolument extraordinaire. Encore la musique de qui va gagner des millions pendant que t'expliques les règles. Oui, je peux le faire. C'est parti. Voilà. Les règles de ce 1 contre 1. Si nous tuons un ennemi, nous marquons un point. Si nous tuons notre coéquipier, et c'est là qu'intervient la règle du 1 contre 1, là c'est 3 points. Et si nous arrivons dans le top 20 et que nous arrivons à tuer un ennemi, là c'est 2 points. Oh putain! Il y aura 3 games différentes avec 3 largages différents. Toi, Norman, tactiquement, est-ce que tu vas chercher à aller me buter direct ou tu vas tenter les frags faciles? Alors moi j'ai déjà préparé une vraie stratégie, mais je vais Oui. tout garder pour moi. J'ai pas envie de t'aider en fait. De votre côté chez vous, les viewers, est-ce que vous êtes plutôt Team Yann ou Team Norman? Voilà, réagissez un petit peu sur les réseaux sociaux, alors que cette vidéo est carrément enregistrée. Yes, c'est parti! Here we go! Donc là, nous partons vraiment à l'opposé. Tu n'as le droit de changer de direction que lorsque ton parapluie s'ouvre. Le mec a littéralement changé les règles du jeu. Est-ce qu'on peut dire que t'es une sorte de game changer? Ouais, ou voire même de pute. Est-ce que c'est pas bizarre que Yann Code Jordan joue à Fortnite? Allez! aime bien, parce qu'il sait que je déteste maintenant mon pseudo, donc il aime bien effectivement me charrier là-dessus, Est-ce comme que je tu le vas te comprends. renommer en Yann Fortnite? Est-ce que toi tu vas faire du Norman Gaming? Oh la vanne est moins bien. Vanne moins bien. Oh oui! Yes, je suis mort déjà. Oh oui! Yes, bonne soirée. On est en enregistrement, si cette game est vraiment nulle, elle ne sera pas comptée. Et ma vanne de Norman Gaming passera complètement à la trappe. Et ça, c'est Oh beau. non, faut la remettre, faut la remettre. Est-ce que les viewers de Yann prennent du plaisir? Allez, 10 secondes. 10, 9, 9, 8, 8, 7, 12, non, 6, 9, 5, 14, c'est horrible, 51, 4, 3, 0, 2, moins 8. 1, c'est parti! Bon, ça c'est le rythme 1, je fais le rythme 2. Il y a du talent. Alors sur la map, je regarde où est Norman. Il est sur Pleasant Park, donc il va mourir très très rapidement, je pense. C'est faux. Est-ce que c'est pas une erreur de largage là, mon petit Norman? C'est un choix risqué. Au moment où je te parle, j'ai déjà une M4. Et ça, je peux te dire que je sais la manipuler. On voit le pseudo de Norman au loin. Est-ce que. Ouais, je vais quand même me diriger vers lui. Je rappelle que c'est 3 points si on tue son coéquipier. Moi, j'ai gravé des balles à ton nom. C'est marqué Yann dessus. Mais je pensais pas qu'on arriverait à se rapprocher aussi. Bah, excuse-moi, c'est toi qui te rapproches de ma table depuis tout à l'heure. Bah oui, je sais, c'est. Je sais pas, c'est l'odeur, etc. Il y a quelque chose qui Ah! m'attire. Ah, c'est le fromage de bite? C'est Allez, ça. merci. Fromage de gland, Abonnez-vous à ma franchement. chaîne, les Allez. enfants. La secondaire ou la principale avec cette vanne? Il est juste là. Oh, je vais voir une petite tête dépassée là. Attends, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais. Là, je suis en plein doute en fait. Parce qu'il a tellement l'avantage de la position que j'ai peur d'aller le chercher. Ok, il se fait sa petite construction, d'accord. Ok, construction détruite. Attends, 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 qu'est-ce que je tente? Parce que j'ai pas envie de me faire avoir par derrière non plus avec une team qui arrive là, c'est ça qui est tendu en fait. Écoute, j'ai l'impression que je vais opter plutôt pour la fuite dans un premier temps. Oh, putain, non, je suis en visio, ok. Putain, c'est pas bon du tout, c'est pas bon du tout. Alors on va voir si Norman a une bonne visée. Pour l'instant, ça n'a pas l'air, hein. J'arrive plutôt à m'enfuir facilement. En plus, on ne l'entend absolument pas, c'est-à-dire qu'il est extrêmement concentré. C'est clair. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas, tu fais le malin, mais je t'ai quand même bien fait fuir.
Oui, je me suis dit que là, la position, tu avais vraiment la position préférentielle. Et je peux faire mon. Moi, je pourrais faire mon petit four, c'est-à-dire que toi, tu es hors zone. Moi, je suis dans la zone. Moi, je pourrais t'attendre. Sauf que là, je vois un ennemi en buisson là-bas. Je vois un ennemi. Est-ce que je tenterais pas d'aller me faire un point? J'ai vu un buisson passer. Ok. Il est à l'étage là-haut. Où est-ce qu'il est? Ah, d'accord, il est là-bas. Très loin. Allez. Et voilà, un mort. Ça fait un point. Est-ce que je te mets un peu la pression ou pas? J'ai jamais la pression, figure-toi. Et Surtout quand voilà. je possède un Colt. Oh putain, ça tire! Merde! Merde, Bah merde, tout d'un merde, coup on fait merde! moins le malin, c'est bizarre ça. Oui. Faut que je me casse là, faut que je me casse. On me tire dessus, on me tire dessus! On me tire derrière! Waouh! Il est où? Il est où? C'était pas toi ça, hein? Je ne dirai rien. T'as vu comment je suis extrêmement mystérieux quand je suis dans le game? Ouais, complètement là. Putain, il est où? Moi en fait, si tu veux, là, je suis en train de jouer à Fortnite by Yann. Et quand je joue à ça en Oh général, putain, ils sont je rigole deux! pas trop. Merde! Ah, j'ai envie de venir t'aider là, mais j'ai pas le droit, putain. Ah, tu peux venir m'aider? Ah, je vais mourir. Oh, bah. Oh, j'arrive. Non, bah, casse-toi alors, fuis. Sinon, la partie va terminer trop vite. Fuis! J'en ai mis un à terre, où je finisse pour faire des points. Mais putain, moi, si j'y arrive, je te tue direct, c'est sûr. Hein. C'est ça le problème. Putain, ça y est! Ah! Là, elle va me finir, elle va me finir, elle va me T'es finir. sûr de ça? Je vois Norman qui arrive, voilà, je suis fini. Alors maintenant, là c'est intéressant, moi j'ai marqué 2 points, on est dans le top 22. Non, donc soit tu attends, et comme ça tu pourras marquer double point si tu arrives à tuer la personne, soit tu t'assures un kill. Allez, elle est là. Normalement, j'avais bien amoché, un petit peu. Oh bah là, oh putain, il balance. Là, j'aime regarder ce gameplay. À mon avis, je vais mettre des gros plans sur ton visage à ce moment-là. Il est top 4, Clint Eastwood. Où est-elle passée? Elle Top est morte? 21, top 21. Je regarde, hein. Si on est dans le top 20, n'oublie pas que ce kill comptera double. Toujours top 21. Top 20, top 20. Tu es dans le top 20, si t'arrives à la tuer. Ok, je l'ai eu. Oh putain, bien, wesh. 2 points. Donc là, nous sommes à égalité, Nono. Deux Est-ce que ça points calme ce par que je viens de faire? Oui, ça m'a calmé, parce que j'y croyais pas. Le mec est serein. Le mec est Bah, sûr si de tu lui. veux, quand je fais des kills comme je viens de le faire, c'est-à-dire la boule de neige, Ouais. bah, j'ai plus peur de rien, quoi, si tu Je veux. comprends, je comprends, je À comprends. ce moment-là, le gars, bon, hein, bon, bah, c'est un lâcher de salope, hein! Voilà, imitation. Hein, vous avez tous Deux. reconnu Jean-Marie Le Bigard, bien évidemment. Oh, il a vu la team. Alors, comment il va la jouer? Ouf. T'as pas de soin là parce que là une balle et tu crèves. Oh, ils sont deux. Ah, c'était compliqué, mais nous sommes à 2 points partout. Et c'est ça qui est beau. Prochain largage, on se largue exactement où l'on veut et quand on veut. Ouf. Et oui. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu vraiment d'affrontement entre toi et moi. Non, justement, l'affrontement, ce sera vraiment sur le dernier largage où on sera obligé de se larguer dans une zone qu'on aura délimitée auparavant. Alors, si on va où on veut, ouais. moi je vais clairement aller à un endroit que tu connais, parce que tu as souvent joué avec moi. C'est On a fait vrai. nos premières armes ensemble. Donc si tu me connais bien, tu risques de me follow. Mais ce qui serait une mauvaise idée parce que tu risques de prendre une balle de colt très rapidement. Il a mis le bleu ou là où je veux. Non, mais ça c'est nul par contre si tu vas où je vais. Bon, allez, je change d'endroit. Oh là 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 là, il y a déjà un mec et il a un avantage sur moi. Il est déjà plus bas. Je tente, tant pis. Ils sont deux. Forcément. Il y en a qui veut l'appeler grâce Si, à j'ai ça. Voilà, il a atterri. Je sais pas où il est. Ils sont deux, je vous le dis. À la terre. Deux à terre. Le double kill. Ah merde! Non! Ah, toi, je suis en PLS de ouf! Ta merde! Allez, c'est bon, mais putain, mais les boutons qui marchent plus là! Quand je m'énerve, c'est juste quand il y a une grosse injustice qui ne compte pas dans le jeu là. Tout d'un coup, les boutons sont tout mélangés, je suis en train de construire, je suis en train de tirer avec ma carte. Ça va vous sinon?
Est-ce que là, je ferai pas un retour au lobby et en gros, celui qui gagne la prochaine game, à savoir le vrai 1 contre 1, où on devra se larguer exactement dans le même carré tous les deux, celui qui remporte ce 1 contre 1 remporte la vidéo. Le mec met la pression totale. Attends, mais bah vas-y si tu veux. Hein. Ah, donc là, on est proche de la fin de la vidéo, là, déjà. Ah oui. Et on va se faire donc deux games en pur 1 contre 1. Obligé de se larguer sur ces deux. C'est... Ça m'intéresse. Parti. Et j'ai déjà une idée en tête, si tu vois ce que je veux dire. En pleine vidéo, il craque et il annonce qu'il est transgenre. Bon, ah, je tends des idées, hein. Ouais, je comprends. Mais c'est... je m'y attendais tellement pas. Yann Cos Jordan est clairement une chémelle. Putain, la fois, mon père m'a totalement choqué en étant plein de dîner de repas. Et pour aucune raison, il dit « Bon, t'as une nouvelle copine en ce moment, raconte un peu et tout. T'aimes pas les chimelles ?» Il me dit ça comme ça, quoi. Ah, le repas sympathique. Non, parce qu'il t'a pas dit « Moi, j'aime bien » ou un truc dans ce genre. Non, mais s'il a pensé au mot, c'est que le mot fait partie de son vocabulaire. Ouais. Donc, quelque part, il doit pas être contre. Alors là, on est sur du 1 contre 1. Je pensais pas qu'on parlerait de la sexualité de mon père. Non, allez. Je pensais pas non plus. Alors, normalement on est assez tranquille, il devrait pas y avoir d'ennemis. Là on est vraiment sur le 1 contre 1. Qu'est-ce qu'il fait lui? Bah j'essaie pas de compris, te... en fait. Et bah, j'essaie de te tuer de toute façon. Oh putain. Tu vas entendre un bruit dans quelques secondes. Oh merde. Laisse-moi... Dis-moi quel est le bruit c'est s'il te plaît. C'est le Colt? Exact. J'ai le Colt aussi, on fait du Hello Colt alors. J'ai l'impression. Ok, très bien. Ah, mais t'as de la matière, moi j'ai plus rien déjà. Oh putain, raté. Oh putain! Vas-y. Oh putain! Ah! Ok, ça pue du cul là, ça pue du cul. Oh putain, mais à chaque fois il doit. J'ai pas de matière, putain! Attention. En plus t'as de la potion, bordel de merde. Je suis très mal la potion 1 contre 1 là. Ok, recharge. Non! Ok les amis, c'est le moment de lancer la musique épique. Je vais prendre mon Colt et me rapprocher de l'ennemi. Sauf que je vais le finir avec le fameux serment que tout le monde me connaît. Petite balle pour l'homme, une grande balle pour l'humanité. Et je pense que au Colt, je pense que t'es intouchable. En plus, j'ai même pas tué au Colt, hein. Enfin, je t'ai tué à la base au M4 de merde. Ah, je pensais qu'on se faisait un duel au Colt. Oh, genre le mec, oh le mauvais joueur. Regardez un peu comment Yann. N'hésitez pas à vous désabonner de la chaîne de Yann, tellement il est mauvais joueur. tu peux faire la diff, comme on dit. Attends, mais j'ai l'impression qu'il y a une petite pression. Oula, il y a un mec là-bas. Oui, je pense qu'il a l'air d'être seul. Il a l'air d'être seul. Ok, ils se sont vus. Ok. Oh ce qu'il lui a mis. Ah, il y a son coéquipier. Oh, ah, fils de pute. Non. Putain. Alors, comment mourir après un très belle action comme ça là? Parce que là, j'ai mis un 150. Et là, malheureusement, ce n'était pas un kill. Mais oui, putain, il le reste, je suis dégoûté là. Par contre, on a eu l'action de la game. Bah écoute, F2. Moi je suis pour le F2. Normalement là c'est la dernière game, je le répète. 5 points pour Nono, 4 points pour moi. C'est là que tout se joue. Alors pour tous les abonnés de la chaîne de Yann, n'hésitez pas à vous abonner également à ma chaîne. C'est du contenu de qualité, très, très irrégulier, mais très sympathique. Mais tout ça sera bien évidemment dans la description. Oh il est sympa. Allez, puis n'hésitez pas à mettre un petit thumb to the top à la vidéo pour la faire monter au sommet des tendances. Tu pourrais aussi appeler la vidéo le plus beau tir de Colt de Fortnite. C'est vrai qu'on en a vu un magnifique. Oh putain, il y a déjà un gars qui est armé. Oh non.
j'ai des briques. Oh putain, je suis foutu, il me poursuit. Ah, merde. Malheureusement, je peux pas t'aider. Là, si je viens, il va me tuer, donc je peux vraiment rien faire. Putain, j'ai un code. Oh, jaloux. Oh non. Non, il y a un mec. Non, c'est sûr qu'il va me tuer, le bâtard. Je me cache ici. Oh, je l'ai eu. Oh putain, je l'ai pas vu. Attends, le mec ne m'a pas vu. Un petit point, allez, un petit point. Là, je suis revenu à égalité avec Nono. Non. 5 partout. Et moi, les gens n'ont pas vu parce qu'ils ont pas mon POV, mais il y a un mec clairement qui est aveugle. Il m'a même pas vu. Et il vient de dire POV, hein, je tiens à vous le dire. Alors moi, j'ai toujours cru que POV c'était un truc de cul, parce que j'ai toujours vu ça dans les vidéos de cul. POV, big boobs. Et en fait. Et ton père aussi t'a demandé si t'aimais le POV ou pas. Alors Norman, on aime de plus en plus le POV. Papa, joyeux Noël. Et le POV Chimel, alors c'est vraiment une passion ou pas? Oh putain, je suis en train de balancer des doses. Mais mon père est dans tous mes sketchs tellement je l'aime. Ouais, mais t'inquiète pas que j'ai juste à zoomer pour voir où tu es. Ok, je viens de chercher. C'est le duel qui va régler la vidéo là. On est à égalité parfaite. C'est extraordinaire. Ok, il est juste là. Il se fait sa petite construction, ok. Ça y est, on l'entend plus. On l'entend plus comme tout à l'heure. Il est concentré. Putain, il est carrément à l'intérieur. Ok. Ok, j'ai voulu faire une petite diversion, j'ai clairement foiré. comme je vois ton pseudo en permanence. J'ai voulu faire style, j'ai construit en haut. Je crois que je suis en haut et j'arrive en bas. Mais bah, le fait, c'est qu'il y a le pseudo, donc je sais où tu te trouves. Oui, mais je voulais me placer juste dans la longueur exprès. Et d'accord. C'est foiré d'ouf. D'accord, ok. J'ai l'impression qu'on n'a pas forcément la bonne arme. Oh putain, il se barre. 27. Ah. Oh putain, belle construction. On voit qu'il a les réflexes. Il fuit. Ah, encore. C'est excitant. C'est excitant. Il fuit. Qui est excité pendant ce live là? Je sais pas du tout live. Bah déjà, je pense qu'il y a déjà ton père. Oh putain, mais ça c'est sale hein. Alors attends, il est sur Tomatoton, il risque d'en rencontrer du monde. Ah putain. Oh non. J'ai quasiment plus de balles. Putain, où est-ce qu'il est? Parce que là je vois bien le pseudo, mais je vois pas la silhouette. En plus, ce qui est chiant, c'est que tu vois ma vie toi aussi. Eh oui. Je me suis fait un petit truc là, c'est genre vraiment. C'est ce que je suis en train de voir, je fais le seul. T'as vu ou pas? Oui. Je vois que t'es pas mal. Oh putain, y'a un pompe là-bas. Oh, je vais chercher le pompe. Vite, ça peut faire la diff. Putain, mais il construit comme un fou. Alors, sauf que là, il a choisi forcément, vu que moi je suis en combat rapproché et lui il s'éloigne. C'est bien, tactiquement, c'est très très bien joué. C'est très très bien joué là, on est sur une grosse phase d'e-sport là. C'est énorme. Ah, dommage. Putain, ouais, mais y a ta tête qui peut passer devant là. Ah, ok. Toi, t'es au sniper, toi. Toi, t'as lu snipe. Ouh, putain. Ok, je suis vraiment pas bien. La zone se rapproche. Putain, je te vois. En fait, ton pseudo m'empêche de voir ta tête. C'est très, allez, très bien pensé. les excuses cultes. C'est très très bien pensé. C'est horrible. Horrible. Putain, qu'est-ce qui tire là? C'est toi qui tire hein? Pas forcément. Pas forcément. Hein. Putain. Oh putain. Si, c'est toi. Ok. Ah! Oh putain, que j'étais bien touché là! Oh putain, que j'étais bien touché! En plus, là, il y a la zone, frère. Ouais. Enfin, ça va. C'est horrible. Oh, putain, j'ai que 50 PV. Et c'est maintenant que tout se joue là. Pas d'adversaire. Ok. Oh putain! J'ai fait chuter. Ah! Allez! Oui! Égalité totale, je peux plus de buter. Égalité totale, putain. Cette team qui débarque. Putain, j'ai pas pu te buter, putain. Ah, et franchement, est-ce qu'on pouvait pas rêver mieux comme fin? Ah, j'avoue, c'est une fin de ouf là. Oh putain. L'égalité totale, j'ai l'impression qu'on va devoir remettre notre titre en jeu, remettre notre duel en jeu.
Ah, c'était énorme, j'ai surkiffé cette fois. C'est que tu es venu me chercher. C'était assez tendu de passer par l'escalier. Tu as eu les couilles de venir me chercher. Ah, les couilles, c'est peut-être mon erreur aussi parce que je t'ai mis une belle balle de snipe et j'ai vu que c'était un très beau score. Je me suis dit là, il est à 50 PV sans shield, c'est le moment de rusher. J'arrive et le temps d'arriver, t'as pu bien te cacher, t'as pu bien préparer la sortie. On est sur une égalité totale de 5 points partout, donc il faudra remettre ça. Si vous avez aimé le principe, oui, vous pouvez applaudir derrière vous. Vous pouvez applaudir. Si vous avez aimé le principe, n'hésitez pas parce que ça, c'est un truc qu'on peut exporter sur PUBG aussi avec d'autres youtubeurs. On peut faire ça aussi en team. Ça pourrait vraiment être sympa. Et je tenais vraiment à remercier Norman pour m'avoir accompagné pour cette toute première vidéo de ce concept. Donc, je te laisse le mot de la fin, mon cher Norman. Oh, la lourde responsabilité. Et donc, j'espère qu'on va pouvoir faire la revanche très bientôt. Et le mot de la fin sera Gmail. Voilà, allez, prenez soin de vous, c'est important. Merci Nono, j'espère que vous avez kiffé et à la prochaine. Merci à toi Yann. Au revoir. Bye.